Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler du modèle qui est le mix parfait entre une sportive et une plongeuse. La Patek Philippe Nautilus est née en 1976. Son nom fait référence au sous-marin fictif inventé par Jules Verne dans son œuvre 20 milieux sous les mers, piloté par le capitaine Nemo. Pour l'esthétique de cette montre, Patek Philippe fit appel au designer horloger le plus brillant, déjà à l'œuvre de l'iconique Royal Oak. Vous commencez à avoir l'habitude, si vous suivez la chaîne, le grand Gérald Janta. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Qui se serait inspiré cette fois des hublots de bateau avec une charnière d'un côté et une fermeture de l'autre. Comment parler de la Nautilus sans parler du modèle qui fait beaucoup de bruit dernièrement, une édition Tiffany & Co. Patek Philippe, avec une Nautilus cadran bleu Tiffany limitée à seulement 170 exemplaires. On a pu apercevoir ce garde-temps autre poignée de Jay-Z, ce modèle étant difficilement trouvable ou à des prix exorbitants, énormément de collectionneurs se sont tournés vers la Rolex Oyster Perpetual fond turquoise, ce qui a fait grimper sa cote. Et on va finir par cette pièce unique au poignet de Bernard Arnault, propriétaire de Tiffany & Co. depuis son rachat par le groupe LVMH. Une Nautilus avec calendrier perpétuel, toujours avec le fond bleu Tiffany. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné envie de lire ou de relire du Jules Verne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, où cette fois-ci, on va parler de la première montre de plongée.